ce mail d'invitation à évaluer un cours renvoie vers un questionnaire qui permet de donner son feedback vis-à-vis d'un cours. Ces questionnaires sont en général divisés en deux parties, une partie qui est plus fermée et plus dirigée, composée notamment de questions de type QCM, et qui permettent de donner un feedback précis sur des points que les enseignants amènent d'eux-mêmes. Je pense notamment à la qualité des cours magistraux, aux modalités d'examen. Il y a aussi un espace ouvert où tu peux écrire les points positifs du cours ou encore tes suggestions d'amélioration. Alors en fait, pas du tout. Ces questionnaires sont totalement anonymes, donc le prof ne saura même pas que c'est vous qui avez répondu. Il s'agit de corriger le tir là où il peut l'être. Et je trouve que l'intérêt de l'évaluation par rapport à un feeling plus intuitif qu'on peut avoir déjà en cours de quadrimestre, c'est de montrer la récurrence d'un certain nombre de constats, de voir qu'ils ne sont pas partagés par 1, 2 ou 3, mais peut-être par 50% de l'auditoire. Donc ça peut être sur le rythme de cours, ça peut être sur le support de cours, ça peut être sur la charge de travail. Et donc voilà, il y a des ajustements à faire et qui sont évidemment faits. Sinon l'exercice n'a pas beaucoup d'intérêt.